Éduquer au développement durable et éduquer à la complexité, mais éduquer avec des jeux numériques, c'est la question que je voudrais aborder avec vous dans cette présentation. Vous le savez certainement, des enseignants ont eu l'idée d'introduire des, des jeux euh, de manière à enseigner. Euh, euh, les questions de, de développement durable euh, c'est par exemple euh, l'utilisation des, des jeux climway ou, ou carbon warfare qui permettent donc aux, aux élèves de, de comprendre quelles sont les, les conséquences euh, sur le changement climatique euh, de la production de carbone anthropique. ce sont par exemple les jeux Terrabilis ou, ou simcity qui sont des, des jeux qui permettent d'aborder des questions autour de l'aménagement du, du territoire et puis des, des jeux comme ForMac Money, qui sont des jeux qui abordent des questions plus locales. Il s'agit ici du, de la ville ForMac Murray, qui a euh, basé son économie donc sur l'exploitation des schistes bitumines. Vous trouverez des, des, des bibliothèques de, de jeux numériques sur lesquels vous pourrez choisir les, les jeux à introduire dans vos enseignements. Donc ces jeux abordent un, un défi didactique. Ils essayent de relever le défi didactique, qui est l'enseignement à la complexité, l'enseignement au développement durable. C'est-à-dire d'amener les élèves à comprendre que ce développement durable s'appuie sur trois piliers, mais surtout de comprendre que ces trois piliers sont interreliés. C'est-à-dire que les savoirs qui sont des savoirs sociaux, environnementaux ou économiques sont liés et qu'il n'est pas possible de prendre des décisions qui sont pertinentes du point de vue du développement durable en ne prenant en compte que des aspects environnementaux ou économiques ou sociaux. De ce point de vue-là, je vous renvoie aux travaux d'Edgar Morin, donc sur la pensée complexe. C'est un défi qu'on a relevé au cours d'un projet de recherche. Un projet de recherche qui a été financé par le, par le Canada et qui a amené des chercheurs et des enseignants de France et du Québec à collaborer pour produire, pour développer un jeu et un jeu sur le développement durable, un jeu sur l'aménagement du territoire, un jeu sur l'implantation des énergies renouvelables. Ce jeu s'appelle Climaction. C'est un jeu multijoueur, c'est un jeu en ligne où des élèves français de lycée en France et au Québec sont amenés à interagir de manière à prendre des solutions pertinentes du point de vue de l'implantation des énergies renouvelables dans leur territoire. Alors, ce sont des élèves qui vont jouer des rôles. Ils vont jouer le rôle d'entrepreneurs, ils vont jouer le rôle d'élus locaux, ils vont jouer le rôle de, de citoyens critiques qui vont critiquer les, les, les décisions qui ont été prises. Et puis les enseignants également participent. Les enseignants jouent le rôle d'experts dans le jeu. Ce sont eux qui, à un moment, vont aider les élèves à aller vers les savoirs pertinents pour prendre ces décisions. Alors le, le jeu euh, se joue avec des technologies, il s'agit bien d'un jeu numérique. Il se joue en particulier avec une plateforme. Cette plateforme va permettre aux élèves, d'une part, euh, d'accéder à des informations qui sont importantes pour prendre des décisions, des informations locales sur la production de bois, des informations sur la, le potentiel hydroélectrique de leur région. Cette plateforme a également aidé les élèves à... Communiquer. On a ici des élèves du Québec et de France qui ont besoin de communiquer à distance. Et cette plateforme va également les, les, leur permettre de développer euh, des, des, des projets et de déposer euh, les projets sur la plateforme. Les élèves vont prendre des décisions dans leurs projets. Ces décisions seront des décisions locales. Et donc, des élèves vont pouvoir aller euh, mesurer les impacts euh, de ces décisions sur le terrain. Par exemple, les élèves vont pouvoir aller sur le terrain, à vérifier euh, les conséquences des décisions prises par les entreprises. Ça a été le cas dans le jeu, lorsque des, une entreprise qui vendait des éoliennes a proposé euh, de mettre une éolienne sur la plage à 7 Et donc les élèves euh, sont allés sur la plage à 7 et voir en réalité montée quelles sont les conséquences de la mise en place de cette éolienne. Et puis les situations de jeu sont aussi des situations qui se passent en classe de manière un peu plus traditionnelle. Ici on voit sur l'image euh, des élèves qui jouent le rôle d'élus de, de, locaux et ces élèves donc euh, vont être amenés à distribuer des points aux entreprises en fonction de la pertinence euh, des projets qui ont été proposés par les, par les entreprises. Donc une situation de jeu mais une situation également authentique euh, du point de vue euh, du développement durable dans la mesure où... La manière dont on a travaillé ici a consisté à travailler avec des responsables de l'agenda 21 en France de manière à développer une situation qui est très proche de la situation réelle d'un agenda 21. Comment les citoyens vont-ils intervenir et interagir avec leurs élus locaux? Comment les entreprises sont-elles mobilisées pour proposer des projets? Une situation aussi qui est non déterministe. Au bout du compte, on aura un projet qui sera sélectionné dans le jeu, mais ce projet, ça ne sera pas forcément euh, l'unique projet qui aurait pu être sélectionné. En tout cas, il aura été choisi parmi d'autres projets qui ont aussi des avantages. Donc, il n'y a pas une solution unique, mais une solution qui a été choisie, une solution qui a été négociée. Et puis enfin, un problème qui est complexe et pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les élèves ne vont pas simplement faire de la biologie, de la géographie ou de la physique, mais ils seront en même temps biologistes, géographes et physiciens, de manière à mobiliser des savoirs de ces différentes disciplines et de travailler de manière authentique et complexe sur les projets qu'ils auront à, à, à résoudre. Alors je vous ai dit que c'était un projet de recherche, donc il faut que je vous donne les résultats de ce projet de, de recherche. Les résultats sur le projet de recherche portent sur les apprentissages des, des élèves. On a travaillé euh, sur euh, les forums, euh, donc les discours des élèves dans les forums sur la plateforme. On a travaillé également euh, sur les présentations des, des, des élèves. On a travaillé également sur des focus groupes. On, on a discuté avec les élèves sur les décisions qu'ils ont, qu ont prises à l'intérieur du jeu. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'au début du jeu, le, le discours des, des élèves est, est assez simpliste. Et, et, et les élèves sont focalisés sur des questions environnementales. Par exemple, ils, ils disent, attention, ne mettons pas une usine de méthanisation dans cette ville parce que le métal, c'est une vraie bombe climatique. Et, et, et donc, on voit que les élèves voient principalement les aspects environnementaux. Au fur et à mesure que le jeu se déroule, on voit que le discours se complexifie un peu sur les élèves, chez les élèves. On voit en particulier qu'ils sont capables d'intégrer dans leur discours euh, des, la dimension sociale du développement durable. Ici, j'ai pris un exemple à partir du verbatim des élèves, et on voit que cet élève propose une solution, mais en même temps, il dit... Oui, mais il faut faire attention que cette solution prenne en compte la question du chômage, la question de l'emploi. C'est bien que l'environnement soit pris en compte, mais quels sont les impacts sociaux sur les individus qui vont subir le projet que l'on propose Et puis enfin, à la fin du jeu, on voit se développer également un discours qui est beaucoup plus complexe chez les élèves puisqu'ils sont capables d'intégrer des savoirs qui relèvent donc des aspects sociaux, environnementaux et économiques. Et par exemple ici, des élèves qui sont capables de discuter la question de l'isolation des maisons en disant, oui, isolation thermique, c'est intéressant du point de vue de la protection de l'environnement, mais attention, pensons aussi au confort des personnes, pensons aux questions, aux questions économiques. Alors les jeux numériques, oui, pour enseigner le développement durable, on voit que les effets peuvent être intéressants. Pourquoi ces effets sont intéressants Eh bien, euh, c'est parce que euh, ces, euh, ces jeux permettent donc euh, de, de disposer de, de, de simulations complexes et, et, et authentiques, et, et d'amener les, les élèves donc à se confronter à une certaine réalité. Mais il y a un point de vigilance ici à, à prendre en compte, c'est que ces jeux sont aussi porteurs d'idéologies. Dans certains jeux, par exemple, on, on favorise euh, le développement euh, des éoliennes, on favorise l'implantation des, des, des éoliennes sans forcément prendre en compte les questions, les questions sociales. Le deuxième point de vigilance, c'est que le jeu permet, on le voit, un apprentissage expérientiel. On est engagé dans la situation. On n'est plus un élève, mais on est une entreprise ou un élu local qui doit prendre une décision et qui doit la prendre de la meilleure façon possible. Mais ces apprentissages, qui sont des apprentissages de ses erreurs, de ses réussites, sont aussi des apprentissages qui sont très implicites, qui sont liés à une situation donnée. Donc il y a une difficulté, c'est d'amener les élèves à prendre de la distance par rapport à cette situation d'apprentissage et à comprendre que finalement les savoirs qu'ils ont mobilisés, et eh bien ils peuvent les mobiliser dans d'autres situations que celle qui a prévalu pour leur apprentissage. Autrement dit, il euh, y a un enjeu ici didactique qui est très fort, une difficulté didactique. Et cette difficulté, en fait, elle est du ressort de l'enseignant. C'est bien à l'enseignant à un moment d'aider les élèves, à, au cours d'un debriefing, au cours d'une phase qu'en didactique, on appelle une phase d'institutionnalisation, et d'aider les élèves à prendre de la distance par rapport au jeu.